Salut les astros! Alors, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Et merci à toi Christophe de m'inviter sur ta chaîne pour observer cette éclipse pénombrale de Lune que nous allons observer grâce à ton T400. Alors oui, point de vue météo, j'espère qu'elle sera de notre côté car pour l'instant, on va dire que les nuages et les perturbations atmosphériques sont presque aussi imprévisible en ce moment que le train que je prends tous les matins et soirs pour aller et revenir du taf. Alors, concernant cette éclipse, c'est la première éclipse d'une série de quatre éclipses pénombrales qui ont toutes lieu en 2020. Alors, bien sûr, il y a celle d'aujourd'hui, le 10 janvier, mais aussi celle du 5 juin, dans 6 mois. Puis le 5 juillet et pour terminer l'année en beauté le 30 novembre. Alors en ce qui concerne vos montres, on va les synchroniser. Hein. Donc top, entrée dans la pénombre à 18h06, heure locale, hein, c'est beaucoup plus simple avec les heures d'été, heures d'hiver, on se touille la tête. Donc voilà. La Lune sera plutôt basse hein, sur l'horizon au début de l'éclipse, environ 10 degrés. Au-dessus de l'horizon. Le maximum de l'éclipse, ce sera 20h10, toujours heure locale, et la Lune sera à peu près à 29 degrés au-dessus de l'horizon. Et puis, sortie de la pénombre, 22h14, la Lune sera alors à 48 degrés au-dessus de l'horizon et brillera de plein feu. C'est normal, c'est la pleine Lune. Alors, est-ce que vous voulez connaître un secret? Cette éclipse est attendu depuis bien bien longtemps. Ça fait 18 ans que je l'attends. Alors autant dire un Saros. Alors le Saros en astronomie, bien c'est une période de 223 lunaisons. Et ce qu'il faut bien comprendre avec les éclipses, c'est que un Saros plus tard, l'alignement Soleil, Terre, Lune se retrouve approximativement eh bien dans la même configuration relative et donc une éclipse presque identique va se produire. Alors rendez-vous en 18 ans pour valider. Alors pour observer cette éclipse avec des instruments, une paire de jumelles suffit. Alors bien sûr une lunette ou un télescope hein, peut être utilisé, mais préférez un faible grossissement qui vous permettra d'apprécier l'intégralité du disque lunaire. Donc ce qu'on va concrètement observer, c'est un assombrissement du limbe sud. Le sud de la Lune va être plus sombre. Alors pour ceux qui s'attendent à observer eh bien, cette magnifique lumière rouge aux teintes incarnat hein, que l'on décrit quand on parle des éclipses de lune, et eh bien Christophe, c'est raté, hein, c'est loupé, on est d'accord. On restera plutôt dans les 50 nuances degrés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors une chose est néanmoins certaine, hein, c'est que même avec de bonnes conditions météo, le phénomène ne sera pas très spectaculaire. La Lune, elle ne va pas être croquée, elle ne va pas être avalée, elle ne va pas être gobée, hein, avec netteté par l'ombre de la Terre, mais disons qu'elle sera voilée, estompée, hein, embrumée, hein, par on va dire la pénombre de la Terre. Eh bien oui, il faut bien comprendre que le cône d'ombre de la Terre est grosso modo constitué de deux zones, l'ombre et sa pénombre. Alors la Lune va gentiment traverser cette dernière hein, à presque 92%. Seul le bord nord du limbe lunaire se tiendra à 3,7 minutes d'arc en dehors de la pénombre. À Christophe, on a bien failli avoir une éclipse pénombrale totale. Tout ce qui concerne les conseils astrophotographiques,
Je préfère laisser Christophe en parler. C'est mieux. Ami astro, eh bien, cette éclipse se termine. J'ai eu le plaisir de passer ce moment avec vous, avec Christophe et son magnifique T400. Et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai être présent pour une observation, hein, avec Christophe. Voilà. Ciao, gardez l'œil à l'oculaire et où vous soyez dans l'univers, portez-vous bien.